Un homme qui vivait à Béthanie et qui s'appelait Lazare était malade. Béthanie était le village où vivaient Marie et sa sœur Marthe. Marie était celle qui avait répandu du parfum sur les pieds du Seigneur et les avait essuyés avec ses cheveux. Et c'était son frère, Lazare, qui était malade. Les sœurs firent parvenir un message à Jésus. « Seigneur, ton cher ami est malade. » Quand Jésus en prit connaissance, il dit « La maladie de Lazare n'est pas destinée à le faire mourir. Elle s'est manifestée pour rendre gloire à Dieu, et elle sera le moyen par lequel le Fils de Dieu sera glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Pourtant, lorsqu'il apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours de plus à l'endroit où il était. Puis il annonça à ses disciples, « Retournons en Judée. » « Maître, il y a très peu de temps, les habitants là-bas voulaient te lapider, et tu envisages d'y retourner ?»« Le jour dure 12 heures, n'est-ce pas? Ceux qui marchent en plein jour ne trébuchent pas, puisqu'ils voient la lumière de ce monde. Mais ceux qui marchent pendant la nuit trébuchent, puisqu'ils n'ont pas la lumière. » Notre ami Lazare s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. S'il est endormi, Seigneur, il devrait guérir. Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais ses disciples pensèrent naturellement qu'il dormait. Aussi Jésus leur dit clairement : Lazare est mort. Mais pour votre bien, je suis heureux de ne pas avoir été avec lui, parce qu'ainsi vous croirez. Maintenant, allons le voir. Thomas, qu'on appelait le jumeau, dit aux autres disciples. Allons, nous devons aussi accompagner notre maître, afin de tous mourir avec lui. Allons-y, nous te suivons. Quand Jésus arriva, Lazare était déjà enterré depuis 4 jours. Béthanie n'était qu'à moins de 3 kilomètres de Jérusalem, et beaucoup de Juifs étaient venus voir Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe apprit que Jésus approchait, elle vint à sa rencontre, alors que Marie resta dans la maison. Si tu avais pu être là, Seigneur, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas. Ton frère va revenir à la vie. Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Ceux qui croient en moi vivront. Et même s'ils meurent, tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Crois-tu cela ? Oui, Seigneur. Je crois vraiment que tu es notre Messie. Le Fils de Dieu, celui qui devait venir sur terre. Sur ces mots, Marthe s'en retourna et parla discrètement à sa sœur. Le Maître est ici. Et il demande à te voir. Va. Dès que Marie eut entendu cela, elle se leva et courut pour le rejoindre. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Tous ceux qui étaient dans la maison avec Marie et qui la consolaient la suivirent lorsqu'elle partit précipitamment. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y verser ses larmes. Marie arriva où était Jésus, et dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds. Tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus la vit pleurer, comme il vit pleurer ceux qui étaient venus avec elle. Il en fut touché
et profondément ému. Où l'avez-vous enterré? Par ici, Seigneur. Jésus pleura. Les gens dirent alors : Regardez comme il l'aimait. Mais quelques-uns d'entre eux dirent : Il a bien donné la vue à un aveugle, non ? Alors ne pouvait-il pas aussi empêcher que Lazare meure ? Jésus, de nouveau profondément ému, se rendit au tombeau. C'était une grotte avec une pierre devant l'entrée. Retirez cette pierre. Ça fait 4 jours qu'il est ici, Seigneur. Il doit y régner une forte odeur. Ne t'ai-je pas dit que tu verrais la gloire de Dieu si tu croyais? Alors, la pierre fut retirée. Jésus leva les yeux au ciel et dit : Je te remercie, Père, de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. Mais je dis cela pour le bien de ces gens, de sorte qu'ils croiront que tu m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte : Lazare ! Sors de là ! Et le mort sortit. Les pieds et les mains entourés de bandes. Le visage enveloppé d'un linge. Retirez-lui ses liens et laissez-le aller. Beaucoup de ceux qui étaient venus rendre visite à Marie furent témoins de ce que fit Jésus, et ils crurent en lui. Mais certains d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur narrèrent ce que Jésus avait fait. Les pharisiens et les chefs des prêtres réunirent donc le conseil pour dire : Que devons-nous faire ? Regardez tous les miracles accomplis par cet homme. Si nous le laissons continuer, tout le monde finira par croire en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. L'un d'entre eux, nommé Caïphe, qui était un grand prêtre cette année-là, leur dit : Êtes-vous stupides ? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il serait bien mieux et dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, plutôt que de voir détruire la nation tout entière ? En fait, il ne disait pas cela de lui-même, mais comme cette année-là, il représentait les autorités juives en tant que grand prêtre, il prophétisait que Jésus devait mourir pour le peuple juif, et non seulement pour eux, mais aussi pour rassembler en un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour, les autorités juives décidèrent de tuer Jésus. Jésus ne se déplaça donc plus publiquement en Judée. Il partit et se rendit dans une région à côté du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il s'installa avec ses disciples. La fête de